Bienvenue aux informations de la mi-journée, les titres. Ouvert tout ce jour de la première session ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication au titre de l'année 2020. Une session qui s'ouvre 7 mois après l'installation des membres de la 6e mandature. Le ministre Mauno Kakbo était ce lundi face aux hommes des médias. Il a annoncé la tenue d'une table ronde à Cotonou dans les tout prochains jours. Les détails sont à suivre. Et puis, lancement ce lundi de la première phase de réhabilitation du port portugais de Ouidah. C'est une initiative de la Banque mondiale qui vise à faire de cette ville un pôle touristique pour le Bénin. Merci de nous préférer pour vous informer. On ouvre cette édition par une brève. Alléger les conditions de participation aux élections communales et municipales du 17 mai 2020 à travers la gratuité du quitus fiscal. C'est la bonne nouvelle annoncée hier par le directeur général des impôts au cours d'une séance de travail avec les responsables des partis politiques. Il leur revient donc de faire à l'administration des impôts la liste des potentiels candidats à ces joutes électorales. Les quitus fiscaux seront ensuite établis sur la base des informations fournies sur chaque postulant. Les candidats sont dispensés du paiement des 5 000 francs CFA qu'ils doivent en temps normal débourser pour obtenir ce document. Cependant, ils doivent solder leurs redevances envers l'État après les élections. Direction maintenant la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui a ouvert ce matin sa première session ordinaire de l'année 2020. La cérémonie d'ouverture s'est tenue de l'institution et a été présidée par Rémi Prosper Moretti. Cette session, à cette période de pré-campagne des élections municipales et communales, porte sur 2 points majeurs. Voyons un extrait du discours du président. Les points inscrits à l'ordre du jour de la session ordinaire de l'année 2020 s'articule autour des priorités suivantes. La visibilité de la HAC, grâce à la relance de notre bulletin d'information, le régulateur, et la création d'un bureau chargé des relations avec les usagers et les partenaires locaux. Le respect des obligations contractuelles relatives au renouvellement ou non des conventions des radios et télévisions, dont les conventions sont arrivées à terme depuis décembre 2019 et janvier 2020, et la mise en place de la procédure d'autorisation des médias en ligne. Le suivi du respect des normes éthiques et de déontologie afin que l'autosaisine et l'examen des plaintes, ces prérogatives majeures de la HAC, soient de plus en plus exercées dans le but de protéger en toutes circonstances le citoyen et le professionnel des médias. La première section de l'année 2020 intervient au mois où nous sommes en pleine pré-campagne pour les élections communales et municipales. Les promoteurs des médias sont invités à prôner davantage les valeurs d'impartialité et d'objectivité qui constituent le substrat du traitement et de la diffusion des informations. Nous avons besoin de travailler sans relâche et à un rythme le plus contraignant pour asseoir une collaboration intense avec la presse. Pour nous, réguler, c'est coopérer avec toutes les instances et organes impliqués dans les élections. Nous sommes donc concentrés sur le noble objectif que nous fixe notre profession. Le renouveau de la HAC dépend incontestablement du sens aigu que nous avons des enjeux de l'information et de la communication. Étant donné que l'accès au champ numérique se popularise constamment et à une vitesse exponentielle, nous avons le devoir de conjuguer nos efforts pour réussir. Rester juste côte à côte sera plus que contre-productif. Rester ensemble, soudés, organisés, est la seule option qui vaille. Unis, nous serons forts. Alors, soyons toujours unis.
Le compte-rendu est à suivre dans nos prochaines éditions. On poursuit ce journal. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a tenu ce lundi 24 février 2020 une conférence de presse. Il a annoncé aux hommes des médias la tenue dans les tout prochains jours d'une table ronde à Cotonou. Les assises vont porter sur le thème « Recherche de partenariats pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle ». Romaric Dossa, Prudence Koussouhan pour le compte-rendu. Mettre sur pied une bonne stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Bénin est l'une des priorités du gouvernement. Pour y parvenir, le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle va ouvrir ses portes aux partenaires techniques et financiers afin de booster le secteur. Avant la table ronde prévue dans ce cadre le jeudi 27 février prochain, le ministre Marion Kakbo expose quelques irrégularités constaté dans le secteur. Notre système de l'enseignement et la formation technique et professionnelle est peu attractif. C'est-à-dire que lorsque nous prenons par exemple 100 élèves, sur les 100 élèves, nous avons 70 qui sont dans l'enseignement secondaire général et environ 3 seulement qui sont dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Les équipements que nous avons, de même que les infrastructures, ne sont plus du tout adaptés aux besoins de notre économie. Ces équipements sont parfois obsolètes et ensuite très insuffisants et également peu adaptés. Les infrastructures, elles sont non seulement insuffisantes, mais elles sont inégalement réparties sur l'ensemble du territoire national. La formation, de même que l'encadrement des enseignants, n'est pas du tout au goût du jour, ce qui fait que ce qui est donné comme enseignement n'est pas ce qu'il faut. Pour remédier à ces insuffisances dans le domaine de l'enseignement et de la formation au Bénin, des innovations sont révélées dans le nouveau document de stratégie nationale élaboré par le gouvernement. Dans le nouveau document de la stratégie, c'est plutôt le format métier qui est privilégié pour que, au terme de la formation, nos apprenants puissent plutôt avoir un métier et non être spécialiste de tel ou de tel domaine. Toutes les formations désormais qui seront offertes tiendront compte de l'entrepreneuriat, du numérique ainsi que de la langue anglaise à leur niveau. Nous avons là une stratégie très ambitieuse, inédite dans la sous-région, qui puisse nous permettre non seulement de changer complètement le visage de notre système éducatif, mais également de régler la question non seulement du sous-emploi, mais également du chômage dans notre pays. Il faut retenir que cette table ronde va permettre de présenter une fois encore l'ambition du gouvernement en matière de développement de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle de 2020 à 2030. Aussi et surtout, elle permettra d'obtenir l'engagement des partenaires techniques et financiers qui désirent accompagner la mise en œuvre de cette stratégie. Lancement ce 24 février 2020 de la première phase de réhabilitation du fort portugais à Ouidah. Ce projet financé par la Banque mondiale a pour but de faire de Ouidah un centre touristique par excellence. Sandra Fadeyi, Aliwantoni. Encore quelques mois et la ville de Ouidah va disposer d'un musée historique ultramoderne. C'est un projet ambitieux du gouvernement de Patrice Talon dont l'objectif est de faire du Bénin une meilleure destination touristique. Cette infrastructure culturelle, la première de ce centre au Bénin, permettra à Ouidah de s'ériger à la hauteur de son ambition de ville monde, ville mémoire d'une Afrique fière de son passé, tout en refusant d'être esclavage de l'esclavage, pour reprendre la fameuse expression de Frantz Fanon. Je vais terminer mon propos en vous réitérant l'engagement de la Banque mondiale à poursuivre l'appui au Bénin afin qu'il tire le meilleur parti de ce patrimoine au bénéfice de ses populations et de son développement économique. Exprimant sa profonde gratitude aux partenaires financiers, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a profité pour exhorter l'entreprise en charge des travaux au respect du délai. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous rassemble ce jour est lourde de sens car elle est l'une des toutes premières dans le domaine du tourisme à l'heure du nouveau départ. Nous passons des maquettes à la réalité. Nous remercions en effet la Banque mondiale qui accompagne cette vision du président de la République en finançant la réhabilitation du site dont nous procédons à la remise ce jour à travers le projet de compétitivité et du tourisme transfrontalier que nous appelons PCTT. À vous, représentants de la société Kendal et Fils,
il me paraît important de vous rappeler la responsabilité qui est la vôtre dans ce projet et de vous avertir fraternellement et gentiment, bien évidemment, aujourd'hui, qu'aucune tolérance, je veux dire aucune tolérance, ne sera accordée à la lenteur ou au manque de diligence dans l'exécution des tâches qui vous incombent. La réhabilitation complète du musée va se faire en 3 phases. Cette première phase est prévue pour une durée de 10 mois. Elle prend en compte le parcours patrimonial du fort, à savoir les enceintes, le bâtiment colonial du gouverneur, la chapelle et bien d'autres. Le président de la République, Patrice Talon, a accordé dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives du Bénin un entretien à la presse nationale. En une 50aine de minutes, plusieurs thématiques ont été abordées. On peut citer entre autres la lutte contre l'impunité, la réhabilitation de Pierre Lévalet-Djo. Suivez les propos du chef de l'État au sujet de cette thématique. Je voudrais que dans le monde entier, le Bénin soit cité comme le pays où la lutte contre l'impunité est la plus appréciable de tous les pays du monde. Je voudrais être premier. Mais c'est une dynamique, ça ne peut pas se décréter et se conquérir du jour au lendemain. Nous faisons des petits pas dans ce domaine. Si à l'international ça se perçoit, à l'intérieur du pays également, je ne pense pas que le plus grand nombre ne voit pas que les choses changent, qu'il y a un petit changement qui est en cours. Alors, est-ce que la lutte est sélective? D'abord, je n'ai de contre avec la personne, je ne pense pas. Et ce n'est pas dans ma nature intrinsèque, personnelle. Puis politiquement, je n'ai pas aussi l'impression que aucun de ceux qui me sont proches, aucun de ceux qui ont été mes partisans les plus actifs, même pour mon arrivée dans la fonction, qu'aucun n'ait jamais été inquiété. Ce n'est pas vrai. Je ne vais pas citer de nom. Vous savez très bien que des gens qui ont été très actifs, des gens qui ont œuvré à mon arrivée dans la fonction, que certains ont dû répondre de l'exact. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de saluer leur courage. De manière générale, quels sont les hommes qui ont gouverné, qui ont exercé les fonctions, qui ont géré les ressources publiques et qui doivent répondre de l'exact? C'est davantage ceux qui l'ont fait avant notre arrivée qui sont concernés. Donc, qu'il y ait des audits sur l'action des gouvernants passés, cela s'interprète comme étant des audits sélectifs. Mais voulez-vous que nous laissions ce qui a été fait pour ne regarder que ce qui est en cours? Et d'ailleurs, techniquement, c'est compliqué. Ce qui est sûr, même si nous demandons à ceux qui ont exercé des fonctions d'intérêt public, ceux qui ont géré la chose publique, on leur demande de rendre compte, et que cela est instauré, il est évident que quand nous partirons, quand je partirai, quand les ministres actuels partiront, ils devront à leur tour répondre de ce qu'ils auraient fait avec les prochains gouvernants. Dans tous les cas, il faut commencer un jour. Jusque-là, jamais personne ne répond de ses actes, notamment les dirigeants de la cité. Jamais. Alors, cette appréciation est subjective, mais je ne veux pas systématiquement dénier à mes compatriotes le bien fondé de leur jugement. Certains le disent de bonne foi. Certains, c'est peut-être juste parce qu'ils sont des opposants qui le disent. Mais je reconnais que mes compatriotes qui font des critiques à propos de l'action gouvernementale ne sont pas tous de mauvaise foi. Et ça, c'est pour l'amélioration de ce que je fais, de ce que nous faisons. Il est bien de faire attention aux critiques, mais de ne pas s'arrêter à cause des critiques. D'essayer d'améliorer, de faire mieux les choses. Et je peux vous dire que j'ai la volonté de faire attention à tout ce qui se fait en mon temps, de prévenir mes collaborateurs et de punir, de sanctionner systématiquement quand j'ai la conviction que quelque chose est fait en mon temps de pas bien, de contraire à l'intérêt général. Je suis pragmatique, ce n'est pas idéologie. Je note que mon pays a besoin de satisfaire ses besoins les plus essentiels. L'eau, l'électricité, les pistes rurales, la route, l'école, la santé, tout nous manque. Je pense que quand on a des biens à partager, on peut avoir une idéologie. L'idéologie du partage. Comment? Qui fait quoi? Qui prend plus que qui fait quoi? Mais quand tout vous manque, quand vous n'avez rien, votre seule idéologie, c'est de tout faire pour qu'il y ait le minimum. C'est la situation du Bénin. C'est pour ça que je pense que, en réalité, dans
à l'étape où nous sommes, il n'a pas véritablement d'idéologie pour conduire l'action gouvernementale. Il faut parer au plus pressé, il faut satisfaire les besoins les plus indispensables au développement. Alors, est-ce que faire ce qui est bien, nécessaire, indispensable, par tous les moyens, est une dictature? Alors, pour utiliser l'expression « la dictature du développement », le développement est indispensable au peuple, aux nations, aux individus. Le bien-être moral, physique, matériel est indispensable. C'est la quête de tout le monde. C'est ce à quoi tout le monde aspire. Trouver les moyens de satisfaire ces besoins-là, ou les satisfaire par tous les moyens, même si on peut ne pas être compris, mais qu'on est de bonne foi, et qu'en plus l'action porte ses fruits, est-ce que cela doit s'appeler dictature de développement? Enfin, je ne sais pas. Le mot dictature me paraît trop fort, très péjoratif, pour qu'on l'utilise pour la satisfaction des besoins essentiels. Les Béninois ont fait la preuve qu'ils sont capables de changer leur destin, de subir les mutations. Nous l'avons fait en 1990 par la Conférence nationale. Et c'est ce que nous célébrons d'ailleurs. Nous disons ça fait 30 ans qu'on l'a fait. Nous avons cette faculté. C'est pour ça que je dis le Bénin est un grand peuple. Nous sommes capables, à un moment donné, de faire le bilan de notre parcours et de dire stop. On l'a fait il y a 30 ans. Nous sommes en train de le faire à nouveau. Vous dites 30 ans après, nous avons instauré la démocratie, les libertés, modèle économique libéral. Nous avons vu que nous n'avons pas été en mesure d'exploiter tout cela pour le développement. Qu'on ne s'est pas mis sérieusement au travail. On a pensé que la conférence nationale suffirait à elle seule pour créer la richesse, le développement, les emplois. On vient de constater que non, ça n'a pas suffi. Mais voilà ce qui nous a manqué. Et ça, nous avons dit, nos habitudes, nous allons les corriger. Nous allons faire plus d'efforts, nous allons faire des sacrifices. Nous allons perdre des choses, des libertés qu'on avait et qui devenaient incompatibles avec l'intérêt général. Nous étions pratiquement dans l'anarchie, qui est une forme de démocratie. Vous le savez très bien. L'anarchie est la forme de démocratie la plus avancée. Mais si l'anarchie ne sert pas le développement, on peut mettre fin à ça et dire non, que chacun reste dans le droit chemin. Le peuple béninois l'a montré dans son histoire, dans son parcours. Et ce qui se passe actuellement est l'illustration de cette capacité que nous avons à faire de la mutation pacifiquement. La salle de conférence de l'hôtel PLM à Lédio a été le cadre où s'est tenue cette conférence. Et cela, pour ceux qui l'ont vécu, constitue un endroit mythique. Mais le mythe réel et le patrimoine qu'il faut préserver, c'est le contenu de ce qui s'est passé quand cette conférence nationale. Et d'ailleurs, quand nous évoquons la conférence, nous ne voyons pas la place où les débats ont eu lieu, véritablement. Je dois vous dire que le symbole que constituerait la salle de conférence de l'hôtel PLM à Lédio ne me paraît pas être vu par tous les Béninois comme véritablement le symbole de cette mutation. Notre constitution, les tests qui sont issus de la conférence nationale constituent pour moi le symbole le plus fort, le souvenir le plus fort de ce que nous avons fait en 90. Le PLM à Lédio, malheureusement, est tombé en ruine. Nous n'avons pas su faire les investissements qu'il faut pour l'entretenir. Mais nous venons de faire un investissement important à Papa, dans la zone, en faisant les aménagements de protection de notre côte. De sorte à faire également de ce lieu un espace balnéaire. Nous avons près de 30 hectares d'eau maîtrisée qui constitue pratiquement un lac marin. C'est un patrimoine économique touristique important. L'idéal serait que cette zone, avec l'esprit de la conférence nationale, deviennent pour nous un facteur de création de richesses, d'emplois, de développement. Si ce lieu, le PLM à Lédio, peut être le symbole de notre développement touristique, avec un complexe hôtelier extraordinaire qui va drainer des centaines, des milliers de personnes tous les ans, créer de l'emploi, créer de la richesse, nous rendrons davantage service à notre nation que de garder quelque chose en ruine. Ma volonté, mon souhait, c'est que le PLM à Lédio et le lac marin, qui est juste, constituent un complexe balnéaire de...
C'était le chef de l'État, Patrice Talon, au sujet des grandes thématiques abordées lors de l'entretien qu'il a accordé à la presse nationale dans le cadre des 30 ans de la conférence des forces vives de la nation. Et c'est sur cet élément que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition, 19h45. À bientôt.